In 2291, in an attempt to control violence among deep space miners, the New Earth government legalized no-holds-barred fighting. The Andrew Mining Corporation, working with the NEG, established a series of leagues and bloody public exhibitions. The fight's popularity grew with their brutality. Soon, Leandri discovered that the public matches were their most profitable enterprise. The Professional League was formed. A cabal of the most violent and skilled warriors in known space, selected to fight in a grand tournament. Now it is 2341. 50 years have passed since the founding of Deathmatch. Profits from the tournament number in the hundreds of billions. You have been selected to fight in the Professional League by the Leandri Rules Board. Your strength and brutality are legendary. The time has come to prove you are the best. To crush your enemies. To win the tournament. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le Zeratosaurus, je sais pas combien édition. Alors bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est un jeu auquel on joue au jeu de notre enfance bien sûr. Et ce soir on va jouer à Unreal Tournament, voilà, aussi appelé Unreal 99, donc voilà, c'est exceptionnel, juste exceptionnel. Non, je déconne. Ce jeu est sorti, mesdames et messieurs, le 30 novembre 99 sur PC et un peu plus tard sur certaines plateformes de consoles. J'espère que ce jeu a fait partie de votre enfance. En tout cas, il a fait partie énormément de la mienne. On a du son sur le jeu, on a du bande son. Tu vas faire du multi, bien sûr que non. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, j'ai gagné contre Mamidwing sur Hearthstone tout à l'heure. Je vais poster la VOD sur YouTube. Soon TM quand on sera pas en rediff, c'est-à-dire pas aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, j'avais dit que je jouerais un remake ce soir. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que cette version du jeu, eh bien, je l'ai achetée sur Steam. Elle s'appelle Unreal Tournament. Regardez, Game of the Year Edition. Voilà, jeu de l'année édition. Donc elle est sur Steam. Donc UT99 ou Unreal Tournament. Alors Unreal, c'est une énorme suite de FPS. C'était la grande concurrence avec Quake à l'époque. On avait les Quakers, les UTers, les Quakers qui se foutaient de la gueule. On avait un petit peu le Quake, c'était Dota, et le UT, c'était League of Legends. Vous savez, genre Quake c'était le FPS des mecs vachement qui étaient en mode élitiste et tout. Et UT, c'était le truc des autres. Donc voilà. Sauf qu'en fait, après, on a vu que Quake a gagné, alors que Dota n'a pas vraiment gagné la guerre des FPS. Bon, après, cela dit, Unreal Engine reste un moteur qui fait tourner énormément de jeux vidéo aujourd'hui dans le monde. Et voilà. Alors, j'ai lancé une game très vite fait. Il y a un gros problème dans ce jeu. C'est-à-dire que tout est en vitesse ultra rapide. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va aller modifier la vitesse du jeu. J'ai mis la vitesse du jeu en 50% ici. Game speed 50%. Mais figurez-vous que ça ne change absolument rien. En fait, parfois le jeu s'accélère et parfois il diminue, parfois il se réaccélère, etc. Donc c'est un petit problème. Énorme problème. Alors Unreal, bien sûr. Alors je sais pas si vous savez, mais il y a une sorte de campagne dans Unreal Tournament. Quand on était jeune, on faisait souvent des practices contre des potes ou contre des IA. Et bien là, on va essayer de faire la campagne, le Unreal Tournament. Démarrer le Unreal Tournament, voilà. Parce que c'est un tournoi, hein, véritablement. Gender mâle, femelle. On va prendre un mâle, on va prendre un mec plutôt viril. Genre on va prendre lui Thunder Crash, Face, Malcolm, Othello. On va prendre Malcolm et skill average. On va prendre On va prendre expérience aid parce que j'ai toujours peur de me faire défoncer dans les jeux vidéo d'aujourd'hui. Alors face, ah, on peut zoomer et tout. Donc un jeu exceptionnel. La campagne, sérieux, même pas au courant. Oh putain, la musique! Y'a un mec qui dit. Et oui, c'est sûrement Direct 3D qui me fait des petits problèmes. Donc voilà, Unreal, bien sûr. La campagne est facile jusqu'au niveau assaut où l'IA de tes alliés est pourrave. Ah ouais, vous croyez? Enlève ta casquette, on voit pas ta coupe de cheveux luisante. Ok! Je crois que ça vient du taux de rafraîchissement. Le problème de vitesse, j'ai le même. Ok. Alors, j'ai une érection, MFG, quelqu'un me dit.
Mettre sur un seul processeur dans le gestionnaire des tâches. Ah, vous croyez? Je vais essayer. Alors, Unreal. Je vais essayer, pourquoi pas. Voilà, machin. Priorité. Ah non, mais pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Oh là, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bref. Il faut que tu décoches des corps dans l'affinité. Mais c'est où? Je vois même pas. Aller dans les processus. Définir l'affinité, voilà. Alors on va juste mettre le UC1, ok? UC1, voilà. Ça devrait suffire, c'est un jeu de merde. Bon, alors voilà, donc la campagne de Unreal Tournament, on y va. Alors ton livreur Zera. Tout va bien. Tout va bien pour le livreur. Regardez, on voit un truc qui est mal fait, qui est presque débloqué là. C'est dommage. Alors ceux qui connaissent pas ce jeu, eh bien je vous invite à le tester, c'est assez marrant. Et voilà. Alors, Alors on va partir sur le Oblivion. On va pas faire le tuto, hein. Frag limit 10. The IT-5 Oblivion is one of Leandri's armored transport ships. It transports new contestants via hyperspace jump from the initiation chamber to their first events on the Earth. Little do most fingers know, however, that the ship itself is a battle arena. Alors ils essaient de faire du RP un petit peu, mais le but du jeu c'est quand même de casser la gueule tout le temps. Et voilà. Ça me rappelle l'interface de POD. C'est vrai. Alors c'est parti pour la campagne. Alors qu'est-ce qu'il y a? Enemy roster. Blake. Ouais bon, on s'en fout. C'est parti. Alors regardez, ça va très vite hein. Wouh. Très vite. Alors là, regardez. Hop, là c'est normal. Et d'un coup mon héros accélère. Alors bon, concernant la sensibilité de la souris, c'est encore pire que ce que je croyais. Préférence. Voilà. Bon, on y va. Donc je fais un duel contre un type. Oh putain, la sensibilité! Ok! Ça va être la merde. Je sens que je vais encore perdre à ce jeu. Putain de... Ouais, je l'ai tué! Vous n'êtes pas un bot. Non mais regardez, et là le jeu s'accélère. Regardez! Comme d'un coup, je vais super vite. Oh là là, c'est injouable. Totalement injouable. Tiens. Je touche même pas. Ça va, je l'ai touché. Ok. C'est trop la merde. C'est totalement injouable. Putain de... Tiens! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens! Voilà, corps à corps. Et là, regardez, ça s'accélère et ça redescend. Oh là 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 là! Oh putain, oh là là. Ça se passe pas du tout bien. Alors Unreal, premier FPS à intégrer les tirs secondaires. Genre ça. Pas du tout, j'ai raté. Ah! Oh merde, oh là là, j'ai essayé de faire mon kéké. Mais ça va pas du tout. Que tu vas encore perdre, mais tu perds tout le temps, Joe. Ah non, mais si, je perds souvent dans les vieux jeux. Parce que les contrôles sont très difficiles. New challenge avec la vitesse. Non mais là j'avoue que... Oh putain de... Alors des fois ça... Regardez! Je vais en ligne droite et d'un coup... Regardez, hop. Oh là là là! C'est bien injouable. Oh là là, c'est tellement injouable. J'ai la gerbe au bout de 10 secondes. Baisse les DPI. Ah non mais c'est le jeu qui accélère. Pas la souris, vous êtes des tarés. Tiens! Il est pas là? Il est pas là. Ça c'est l'arme, la meilleure arme du monde. Alors je connais plus le nom de toutes les armes, ça c'est le flak canon. On a le fusil de choc, tu peux mettre en OpenGL. Mais c'est déjà en OpenGL. Enfin non, je suis en direct 3D. Et il n'y avait que direct 3D ou software dans les options. Donc voilà. Est-ce que je pourrais voir mon ennemi s'il vous plaît? Gauche changée, tu peux ralentir le jeu avec le speed hack. Quoi? Qu'est-ce que... Oh putain merde. Non c'est pas vrai, je suis trop nul. Look Skype. Ah mais ça sert à rien que je regarde Skype parce qu'en fait je ne suis pas sur le même Skype, je suis au studio. Hop. Hop. Hop 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 hop. Là vous voyez, je vais accélérer d'un coup. Voilà. Bon attendez, je vais tuer Blake. Et après j'essaierai de régler ce problème parce que je pensais pas que ce serait aussi injouable que ça. Mais là j'avoue que c'est un petit peu difficile. Tiens, voilà Blake. Alors je vous rappelle, c'est un jeu que j'ai acheté donc 10€ sur Steam je crois. Et voilà. Bah à mon avis il subsiste quelques bugs dus à la vieillesse du jeu. Alors je pensais que c'était un remake, mais en fait non, ils ont juste fait qu'on puisse voir le jeu. Et pour eux c'est ça un remake. Double kill en duel. Ah oui, Unreal, premier jeu à avoir instauré les sons quand on tue plusieurs mecs d'affilée.
Ensuite copié par énormément de jeux. Là vous reconnaissez par exemple les sons des serveurs AMX sur Counter-Strike qui avaient pris les sons Killing Spree, Double Kill, etc. Tout le monde croyait que ça venait de Quake, eh bien non. Il n'y a jamais eu de son double kill dans Quake, ça n'a jamais existé. Ils venaient tous de Unreal. Attends deux secondes. Die. Voilà, j'ai gagné. Regardez, excellent. Donc super. Je t'envoie la solution sur quel pseudo? Bah ZTV, parle-moi sur RC, sur ZTV, ZTV Studio. En attendant, je vais faire le Stalwart. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup de gens confondent, hein, bien sûr, les trucs. Alors, préférence, attendez, vidéo. Direct 3D, change. Vous voyez, là, si je fais yes. Oh, god shit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez, hop, show all device. OpenGL support, peut-être. Run, j'essaye. J'ai mis OpenGL. Ok, ça m'a l'air de marcher. C'est beaucoup trop fort. Ça a l'air de fonctionner. Alors, une seconde. Ça a l'air de fonctionner, je crois que ça marche. Je crois que ça marche. Ah du coup faut que je recommence tout, c'est ça? C'est pas grave, je vais le massacrer en deux secondes si ça remarche. Ok, ça va. Non, c'est pareil. First Blood. Son repris par Dota également. Donc voilà. Je vais prendre cette arme, le flak canon qui est bien mieux. Ça va beaucoup mieux une fois qu'on a repris en main le jeu. Où il est? Où il est? Où il est? Tout va bien, meurs le bot. Mets-toi en software. Non mais je peux pas mettre en software, ça va être dégueu. C'est bon, je suis en Killing Spree. Putain. Ok, une seconde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une seconde. Oula, non, à mon avis c'est pas ça. À mon avis c'est pas ça. Une seconde. Unreal. J'arrive. Vous en faites pas, ça va le faire. Tu peux baisser le son, il est un peu fort. Ouais. Je baisse le son. Active la synchro verticale. Non mais, il y avait une synchro verticale à l'époque? Je pense même pas en fait. Ouais, ok. Non, pas du tout. Pas de synchro verticale. Ouais, le game speed est à 50%, ça ne change absolument rien. Donc voilà. Par rapport à la vitesse de Quake 3, je trouve que c'est jouable. Non mais tu te rends pas compte en fait. Tu te rends pas compte en fait, c'est juste horrible. Juste injouable. Minimum desired framerate. Use dynamic light. Non mais non, c'est rien là-dedans. Bon. Osef. Si quelqu'un trouve une solution fiable et réelle, qu'il la link. Sinon, mourrez. Tiens, voilà. Oh, putain. Donc voilà, Unreal, incroyable. Oh merde. Et après, je vous parlerai un petit peu des émissions qui vont venir dans la semaine. Voilà, vous pouvez préparer plusieurs roquettes à la fois sur le lance-roquette, je sais pas si vous voyez. Merde, attendez, c'est la merde totale. Oh là là, incroyable, je lui ai largué une grenade et je l'ai complètement massacré. Voilà, je suis là, je suis revenu. Affichage, HTML, machin, c'est quoi ça? Pas de panique, vous pouvez changer le pilote d'affichage du jeu. Vous devez alors changer le pilote d'affichage avec le fichier ci-dessous. Ok, alors attends. Putain, sérieux? Quoi? Ok, une seconde. Une seconde, apparemment il y a un truc à faire avec le jeu et tout, machin. Précédent. Et là si je refais Deathmatch, c'est bon. Putain, mais ça sauvegarde pas, mais c'est insupportable. Ça ne sauvegarde pas. Pour la vitesse, je n'y connais rien, mais en gros, tu es esclave de tes FPS faramineux. Non, pas du tout. C'est pas ça.
Vous en faites pas, je vais trouver. Je vais trouver. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, si on fait direct 3D, machin. Ok, il faut mettre point et point DLL dans un autre tournament système. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok, alors. Deux secondes, hein. C'est pas toujours pareil, hein. Avec les vieux jeux, c'est toujours un petit peu... Je suis désolé. Alors, machin, 3... direct 3D. Mais j'ai pas direct 3D. Direct 3D 8, en fait, c'est ça. Direct 3D, ok. Next, très bien. Next, très bien. Vous avez une carte compatible avec Direct 3D, GTX 780. Merci, on arrive tournoi. Ah ! Pitié ! Rendez-moi les oreilles ! Merci. C'est toujours pareil. Non mais calmez-vous, je vais y arriver. Je vous garantis que je vais y arriver. Soyez... Soyez en paix. Alors... Réduire la vitesse de moitié, ça ne va pas changer le problème, ça va rendre le jeu moins fluide, mais il y aura toujours des variantes dans la vitesse, c'est ça qui est chiant. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je comprends rien ce qu'il faut faire. C'est Unreal Tournament System, ok. Deux secondes, hein, je suis vraiment, mais alors, ultra désolé pour ce qui se passe. Ah oui, mais du coup, c'est pas dans Unreal Tournament, puisqu'en fait, mon jeu est un jeu Steam. Du coup, ça va être dans Steam. C'est une catastrophe ce qui se passe, mais au moins, vous aurez vu le jeu. Voilà. si tu trouves une solution, donne-la-moi, vu que tu viens de me le faire racheter. Ah bon? Ok, très bien. Unreal Tournament, système. Oh, je l'ai. Je l'ai. Donc là, on prend ça. On met ça là-dedans. Voilà. Ensuite, on prend ça. On met ça là-dedans. Ah oui, mais... Ah, d'accord. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a 10 000 fichiers alors qu'il n'y a pas 10 000 trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre ce que vous me dites là. Il faut mettre point DLL, il faut mettre le point DLL dans machin, dans le système, blablabla, blablabla. Donc si je prends ça par exemple, si je prends ça, ça, et que là je fais ça, open GLL, blablabla, copier, remplacer, ok, pas de soucis, 40 que ça marche pas, 30 euros que ça marche, 100 euros que ça va rien changer. Lance-le dans une machine virtuelle. Ouais, je faisais ça avant, mais là c'est un jeu Steam, donc je me suis dit c'est bon, il est un jeu sur Steam, c'est bon, ça marche, y'a pas de problème. Donc en fait pas du tout. En fait pas du tout. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh putain les gars franchement. Là franchement on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Alors test sismique. Attention! Test numéro 1. C'est bien, à chaque fois faut rebaisser le son, c'est trop bien. Donc il y a aucune sauvegarde, aucune prise en... Non mais je vous dis, je vous annonce que j'y arrive pas à 22h30, on va pas se faire à la Dungeon Keeper. Alors là ça m'a l'air tout simplement parfaitement sans aucun changement. Oh putain, c'est trop génial. Ok, cool. C'est la panique totale. C'est la panique! En attendant, il y a des sondages, je vois, qui se créent sur IRC afin de vous demander si vous êtes plutôt Quake ou plutôt Unreal. Oh, je crois que j'ai trouvé. Oh putain. Attendez. Unreal Tournament a cessé de fonctionner. Parfait. Excellent, ça déchire. Du coup, par rapport à cesser de fonctionner. Ah oui, c'est-à-dire que là... Oh putain. Alors attendez. Je pense que j'ai une idée. Donc non, pas ça.
Non, pas ça. Pas ça. Ok, comme ça. Attendez, attendez. Gruik, 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 Gruik. Ok, là je crois que j'ai fait de la merde. Une seconde, j'arrive. Oh merde, ok. Donc pas du tout. Ok, donc là le jeu est au ralenti. Je pense que j'ai trouvé les amis. Mais maintenant nous avons un deuxième problème. Nous avons... Donc c'est normal, hein, quand vous créez un problème, vous... quand vous résolvez un problème, vous en créez 6. Donc j'ai résolu mon problème, mais maintenant... Il faut réussir à lancer le jeu en fenêtré. C'est-à-dire que là ça marche, mais c'est en plein écran. Donc genre là si je fais ça évidemment... Ah et là si je fais mode fenêtré... Ça marche! Oh putain, ça marche! Ça marche! Alors attendez! Attendez, ne bougez pas! Oh putain de merde! Ne bougez pas, je vous dis! Ne bougez pas! Ça va marcher! Ça va marcher! Alléluia! Alléluia! Leave! Voilà, c'est bon, ça marche! Regardez! On est en vitesse normale! Voilà! Donc je vais pouvoir. Meurs! Oh, par contre, la sensi est beaucoup trop élevée. Je vais essayer de la baisser. Je vais pas la baisser encore et encore. Oh putain, je suis au minimum là. Bah dis donc, ça va être coton. C'est pas grave. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Unreal Tournament, jeu sorti en 99. Et voilà, on est content de jouer à ce jeu. Très bien, you killed Blake. Du coup, ça fait beaucoup moins fast. Il s'est suicidé cet abruti. Dumbself. Alors il est pas en français, mais pourquoi? Bah j'avais pas le choix de la langue à l'installation, je suis désolé. Mais c'est pas grave, on aura du Anyone else want some? Ou I got the flag! Voilà, il m'a tué, je suis un petit peu déçu. Tu connais Rome Station? Oui, je connais. Je connais Rome Station, c'est comme ça qu'on a joué à Mario entre autres. Et mais Unreal, je préférais la version PC, puisque le FPS n'existe que sur PC, bien sûr, vous le savez. Tiens, voilà. Bon alors c'est le tuto, hein, c'est facile bien sûr, donc il y a une campagne dans Unreal, j'en parlais, et voilà, je me suis mis en direct 3D-D8, direct 3D-8, enfin j'ai fait ça, et ça m'a réglé ma vitesse de truc. Après j'avais aussi mis les patchs qu'ont donné les gens, donc je sais pas si c'est lié, j'imagine que oui. Bon je vais le massacrer, ça va être rapide, vous allez voir. Du coup je me demande si on va pas augmenter la vitesse du jeu, parce que maintenant qu'on a des frames assez stables, là j'ai 25 points de vie, non pas du tout, elle est où la vie? 74, elle est en haut. En fait vous ne voyez pas ma vie, si vous voyez ma vie, enfin vous voyez ma vie. Killing Spreedy. Comme dirait personne. Donc oui disais-je, moi je déteste les gens qui croient que les sons viennent de Quake, parce que moi je suis un gros con d'élitiste hein. You are the winner. You are the winner. Ouais ouais je suis le winner, je sais. Et donc on part pour Stalwart, on va affronter Chris et Calamet. Et Chris c'est un... Ah oui c'est elle qui dit I got the flag. Donc on pouvait déjà tourner les personnages. Waouh c'était génial, là on a la face, on peut voir sa gueule de rat dégueu. Et donc voilà, on est plutôt pas mal. On est parti, je sais pas si c'est du 2v1. Les ordi sont chauds à ce jeu. Tiens, tiens. Merde, il y a l'autre derrière. Voilà, premier sang. Unreal qui a inventé le First Blood. Enfin, double kill. Parfait. Merde. Ok. Ça déchire. Quake c'est excellent. Et non pas excellent to frag in 2 seconds. Donc ça c'est Quake Live. Mais évidemment personne sait. Enfin tout le monde sait que ce n'est pas le son de Quake Live qui gagne bien sûr. Alors comment on fait pour monter là? Oh putain. Ça, ça rebondit donc vous pouvez y aller. Pour les rebonds. Voilà, on l'a tué. Oh putain. La map a l'air plutôt petite. Alors à ce jeu, on a toujours l'impression qu'on crève. C'est-à-dire que vous prenez toujours la sauce, votre écran est constamment rouge à mort. Et vous avez toujours l'impression que vous crevez complètement. Et à ce jeu, si vous avez pas d'armes, c'est de la merde. Et oui, je vais peut-être me mettre en full screen au bout d'un moment, mais. Oh putain, oh putain.
Putain, je l'ai pas eu. Tiens. 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 Ok, raté. Yeah, yeah, yeah. Donc les bots vous tauntent, vous trollent. Tiens. Ah, y'a l'autre. Tiens. Voilà. J'ai gagné. Je suis trop fort. Je suis trop fort. On va jouer sur Fractal maintenant. Donc on va essayer d'enchaîner, hein. On va enchaîner le tuto comme ça. On va jouer contre Luthienne. Classification civile. Having survived the wreck of the... Ok, super. Joseph complet. C'est parti. Ah oui, on est dans une arène. Excellente carte. Carte qui a été reprise par de nombreux FPS. Alors que c'est tout con, hein. Voilà, premier sang. Donc c'est un duel, hein. C'est un duel. 1, 2, 3. Meurs. Putain. Oh, elle me saoule, ça y est. Oh là là. Bon, je sais pas viser, hein. La sensi est horriblement élevée. Ah, elle est morte. Elle repop, j'imagine. En haut. D'accord, très bien. On va essayer de pas mourir. Alors, y a pas de auto-aim, hein. On n'est pas dans Call of Duty shit. On est dans Unreal, bien sûr, donc... Pas de visée automatique, on n'est pas dans GTA 5, hein. On est dans des jeux où si vous n'avez pas le viseur sur la personne, les armes directes ne toucheront pas, quoi qu'il arrive. On ne vous recentrera pas votre viseur. Où est-elle? Où est cette grognasse? Elle est là. Killing spree. Après, la hitbox de certaines armes est grosse, ok. Tiens! Voilà! Alors c'est beaucoup plus facile que quand j'étais petit. Putain. Eh oui, elle esquive mais trop lentement. Je sais pas ce que c'est le frag limite. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Je sais pas, on voit pas le score. Donc c'est une catastrophe. Y'a des gens qui demandent s'il y a encore des gens en multi sur ce jeu, j'en doute. J'en doute un petit peu, on pourra aller voir si vous voulez. Vous avez tué Luthienne. Oh. Putain, mais j'aime pas à quoi ça sert ce que j'ai pris là. C'est de la Velocity, un truc comme ça. Bon, elle m'a pas tué une seule fois, un peu nul. Voilà. Après, j'ai pas mis un niveau de difficulté incroyable, hein. Il y a des milliards de niveaux de difficulté dans ce jeu. Le score est en bas à gauche. Non, mais ça, je sais, mais je sais pas à combien il faut que j'aille au niveau du scoring pour gagner. Oh là, elle a ouvert le truc! Incroyable! À mon avis, faut aller à 15, un truc comme ça. Comment on ouvre ce truc là? Comment on ouvre? Ah, faut tirer là peut-être. Ah ouais! Putain, je savais pas ça. Ça, c'est un truc quand j'étais petit, je pense que je devais rien comprendre du tout et que on a jamais su. Les graphismes sont quand même ultra laids, même pour un jeu de 99. Je sais pas si l'ex. Bon, ok, c'est un peu laid, mais. Non, mais Quake 3 c'était beau. Hein. Après, je vous rappelle que Quake 3 ne tournait sur aucune machine quand il est sorti. C'était genre même les plus grosses machines. Bah un petit peu comme Crysis à sa belle époque. Voilà, je suis quelqu'un en. J'ai pris un bain de boue et je suis très content. On va se mettre en full screen tout de suite. Et là, en fait, j'ai fait précédent. J'allais dire, j'ai dans le cul, pas du tout. On va se retrouver dans deux petites minutes. Je suis très content que le jeu marche. Je vous dis à toutes. Merci d'être aussi nombreux pour le Zeratosaurus. Je suis désolé des petits soucis de début de stream. Mais vous avez l'habitude maintenant dans les Zeratosaurus. Donc merci à toutes. Suite dans deux minutes. À toutes. Putain.
bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en plein Zeratosaurus, l'émission à laquelle je joue au jeu de mon enfance et peut-être la vôtre également. Ce soir, Unreal Tournament, si vous venez de nous rejoindre. Unreal Tournament, eh bien c'est un jeu sorti en 99, l'apogée du FPS, ou on dirait aujourd'hui Fast FPS, alors que c'était pas si rapide que ça, mais voilà, il y en a certains qui trouvent ça un petit peu trop rapide pour leur petit neurone. Donc on continue la campagne, on va aller sur Turbine directement, mais avant ça on va remettre un petit peu le son du jeu qui était quand même super stylé à l'époque et voilà, vous êtes nombreux sur IRC, ça me fait plaisir, vous êtes nombreux à dire que ce jeu était pas si rapide que ça. Oui, c'est pas si rapide que ça je trouve. Comparé à des Painkillers ou à des Quake 3 CPMA par exemple, ça reste des jeux même lents je dirais. Donc voilà. Alors allons-y, nous avons un minigun. Alors il faut avoir des armes très vite à ce jeu comme je l'expliquais tout à l'heure, sinon c'est très rapidement le bordel. Là on a une armure. Mec, ok c'est parti. Alors toutes les armes sans exception ont un tir secondaire, voilà, il est pas toujours très puissant, c'est plutôt situationnel qu'autre chose. Meurs. Tiens, voilà. J'avais oublié qu'il y avait une musique comme ça à Unreal. Bon, la map a l'air assez petite malgré le fait qu'il y ait 3 adversaires. Oh yeah. Alors c'est des FFA, souvent, mais après on peut jouer en équipe. Tiens, je t'ai volé le kill. Oh toi, il va me tuer. Double kill. Tiens, alors pour faire un triple kill à ce jeu, fallait vraiment enchaîner les kills. Et les monster kills en général, c'était au lance-roquette. Monster kill, voilà. Putain, il m'a volé mon frag. Espèce de... Tiens. Voilà. Double kill. C'est pas comme à League of Legends, hein. Il n'y a pas 30 secondes d'écart entre les kills pour faire des doubles. Bon, en même temps, c'est pas le même jeu, hein. Et vous allez voir qu'en assaut, après, on a rapidement des frags de manière fragante et voilà. Non, là, le jeu n'est plus à 50% de sa vitesse d'origine, hein. Le jeu est à 100%. Je l'ai remis à sa vitesse normale. À 50%, c'était vraiment au ralenti total. Tiens ! Je me suis défoncé la gueule en faisant ça, mais c'est pas grave. Tiens ! Alors il y avait aussi les fameuses esquives, hein. Donc si vous faites double avant, vous faites un petit bond en avant. Si vous faites double gauche, vous faites une petite esquive à gauche. C'est quelque chose qui a pas vraiment marché dans le FPS. Bon, c'est Unreal qui a essayé de faire ça, mais alors comment, hein, comment on fait là par exemple? À moins que je fasse un rocket jump, mais j'ai pas très envie vu ma vie. Voilà, une roquette ça bute. Ah, le snipe, on en reparlera du snipe parce que c'est une... Oh putain, c'est une sacrée arme. Voilà, j'ai gagné 15 frags, beaucoup trop facile, on part sur Codex directement, on enchaîne sans transition, next, et c'est parti, on enchaîne. Voilà, tire à la tête. Moi j'ai jamais eu ce jeu en français, donc je sais pas du tout... Ah si, je l'ai eu en français une fois. Parce que je crois me rappeler d'un... Je suis dans ton équipe, idiot. Ah. Qu'est-ce que ça devait être quoi les doublages? Oh, j'ai le drapeau, c'est magnifique. Oh yeah. Mais il y a quand même beaucoup de modes de jeu dans ce Unreal, c'était très agréable. Alors le tir secondaire du minigun, c'est vous tirez plus rapidement. Donc ça tire plus de balles à la fois, mais... Évidemment, vous perdez aussi vos balles deux fois plus vite. Alors on peut faire des headshots avec le snipe. On va essayer. Voilà, par exemple, là, c'est un headshot. Donc on avait la fameuse voix headshot qui a été repris par tous les mods AMX de Counter-Strike et qui a eu beaucoup de succès auprès des gamers. Ça leur fait plaisir d'avoir des tirs à la tête. Tiens ! Voilà ! Unreal Tournament. Et tu trouves l'endroit où tu team kill toute l'autre équipe. Quoi ? Bon, je peux pas trop lire l'IRC bien sûr avec ce jeu parce que... Oh putain, lui il a un lance-disque. Le lance-disque, une arme pas si bien que ça. Ça rebondissait les disques, donc c'est très rigolo. Tiens. Un petit peu comme les plateformes où les roquettes rebondissent à toute manière, vous voyez. Je lag sur ce jeu, aidez-moi. Au secours à l'aide. Sucker. Là on voit bien que XSplit a ses limites quand vous voyez que vous laguez sur ce jeu. C'est que vraiment rien ne va plus. Alors... Vous voyez le chat en haut, enfin vous voyez la petite barre bleue qui est juste à côté de ma webcam, juste donc ici, non ici pardon, ça ne sert à rien, il y a juste le portrait des mecs qui apparaît en disant « Tu es un salopard !» Donc voilà, ça ne servait absolument à rien.
Alors quand vous avez plein d'armes à ce jeu, bah vous êtes blindé évidemment. Je vais... Faut toujours aller chercher de la vie. Où ils sont? Merde. Tiens, tiens. Tiens, voilà du boudin. Donc le lance-disque, hein, le tir secondaire du lance-disque, c'est que les disques explosent au contact d'un objet, donc d'un mur ou d'un homme. Non, je ne suis pas contre des bots en mode easy, mais je suis, j'avoue, dans un niveau de difficulté pas ouf. Il y avait facile, moyen et... expérimenté, je crois, j'ai pris expérimenté, mais il reste 3 niveaux de difficulté après. Après, notre but est d'avancer et de vous montrer un petit peu le jeu, pas vraiment de prouver quelque chose ou de faire un speedrun en mode brutal ou quoi. Donc on s'en fout un petit peu. Die, bitch. Après, je vous montrerai un petit peu les niveaux. Double kill. Enfin, les modes de jeu. On va pas faire la campagne pendant toute la soirée, hein. On se ferait bien chier. Mais. Wouah! Pourquoi j'ai eu un tête chercheuse là? Je crois que j'ai découvert un truc. Mais dites pas que si on est dans l'eau et qu'on tire, ça fait du tête chercheuse. C'est quoi? Le savais-tu, Zera, si tu te téléportes sous le mec, tu exploses. Bah si, je sais. Comme dans tous les FPS du genre. Quake 3, c'est pareil. Tiens. Alors j'avais fait un duel contre Chipolatac à Quake 3. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez Chipolatac, hein. C'était mon joyeux partenaire de Dota. On avait fait un duel sur Quake. C'était assez serré. Il m'avait mis un truc genre 40 à 30. Et on avait fait un duel sur Quake 3 et je l'avais mis 100 à moins 2 je crois. Sur Unreal. Il était trop nul. On s'était fait une petite après-midi comme ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. On leur parlera en live si un jour il revient jouer avec nous. Il faudra que j'y pense. Tiens. Non pas que je sois fort à ce jeu, mais il était nul à chier. Donc voilà. 100 c'est beaucoup, ouais. 100 c'est beaucoup. Raté, je retente. Merde, ah c'est 3 maxi. Ah non, il me restait que 3 munitions. Bon, échec total du coup. Alors c'est parti. Moins 2 c'est peu. Bientôt le retour de Chipolatac. Bah il est pas en France, il a pas vraiment de PC donc. Je vous avoue que là, c'est pas pour tout de suite. You are the winner, j'ai fait du 22, j'ai gagné, c'est cool. On part sur Pressure. En retrouvant une arme. The match has begun. Donc vous voyez, ça a enchaîné. Alors que la campagne de Quake 3 était vachement plus dure, d'ailleurs. What? Ah ok. J'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça. Donc il m'a enfermé dans la salle et je suis mort. Alors ça, c'est les tubes qui vous permettent d'avoir plus de 100 points de vie. Bon, je suis mort dans la salle comme une chiasse. Super déçu du coup. Alors ça me permet de voir un petit peu. Oh god shit, mais... J'ai essayé. Il y a un bouton qui allume le four, ouais, totalement. Aïe 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 aïe. Je suis dans une ligne, le pire endroit du monde. Ok, j'ai été tué par Bart. Et vous allez voir, dès que j'aurai une arme, ça ira mieux. C'est juste que là, il faut en trouver une et j'avoue que... J'avoue que pour l'instant, c'est pas gagné. Alors oui, les bots disent des gros mots dans ce jeu, donc c'était un coup de yeah, bitch, cocksucker, machin, avec Mayas, machin. Donc un peu vulgaire, hein, je dois le reconnaître. Ah! Aidez-moi! Non! Il y a quelqu'un dans le four. J'arrive, hein. Oh putain. Oh putain, il a un flingue, lui! Meurs! Allez, double flingue! Pas toi, tu vas... Donne-moi ton arme! Voilà. Donne ton arme. Alors ça lance des petites boulettes. Et sinon le deuxième tir c'est un rayon. Un rayon vert. Comme le soleil. Tiens, il y en a un là. Putain non. Oh toi tu vas me donner ton arme. Oh non, il m'a tué, merde. Voilà. Si vous tirez dans la tête ça fait plus de dégâts, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr qu'il y ait des hitbox. Enfin il y en a pour le snipe, j'en suis sûr, mais pour le flingue. Pour le flingue, je suis pas sûr. Une armure. Très bien, je prends. Ah là! Magnifique, c'est la fin. Terminé, je ne crèverai plus. Vous êtes limité en munitions. Tiens! J'avais entendu. Coquin. Comment on active le four?
Yes! Trop classe! Trop classe, j'ai activé le four. Non, moi j'ai jamais fait de UT en compétition, hein. Je préférais Quake à l'époque, donc j'ai beaucoup plus joué à Quake 3. Mais cela dit, ça m'est arrivé beaucoup d'y jouer quand même, entre potes dans les LAN, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu qui proposait des modes de jeu en équipe plus intéressants que Quake 3, qui était plus un jeu de duel. C'est vrai. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui m'attaque? Qui tire au minigun près de moi? Qui veut des problèmes? Donc la pressure chamber, c'est le four en effet. Ouais, ça c'était facile. Double kill. Tiens. Alors faut savoir qu'en fait à Unreal, il n'y a pas de triple kill. Il n'y a pas de triple kill en fait, ça part à multi kill à partir de 4 ou 5, après c'est monster kill. Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que... Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Tiens, voilà, il y a un bot. Alors on peut activer la visée automatique dans les options, j'ai vu tout à l'heure. Ah! Crève! Rampage! Oh là, attention, elle a un lance-roquette quand même. Oh, il m'a volé mon frag! Salope! Prix de... Ta! Go jouer avec Strength. Mais je sais pas si Strength c'est fort à lutter, hein. C'est quand même deux jeux très très différents. Même si je pense qu'au bout de 15 minutes il me défonce parce que c'est quand même rapide et tout. On n'a pas genre par exemple les bunny jumps dans Unreal qui ont fait le succès et la rapidité de Quake 3. Ah voilà, si, ok, multi-kill, 3 kills. Bon, my bad. My bad, je me suis trompé. Soccer. Pourquoi il dit football, ça n'a pas de sens. Soccer. J'ai slow-terré ce mec. Oh, c'est plus dur de gagner là déjà. Enfin c'est plus dur, c'est plus long. Et y'a un mec derrière moi. Ah il est au cut. Oh putain. J'ai combien de kills? J'ai 19. Ok. Tiens. Voilà, 27. Le mec était à 17, le deuxième. Donc c'est une catastrophe. Vivement les autres modes, celui-là est le moins bien. Oui, mais c'est du deathmatch, mais c'est normal. Je vais finir après. Il y a plusieurs parties dans la campagne. Et donc là, c'est la dernière partie. Frag limit 25 en deathmatch. C'est la dernière partie. Ensuite, on passera sur les modes plus intéressants. C'est vrai que les modes, c'est vrai qu'il y a d'autres modes plus intéressants dans ce jeu. Et voilà. Donc on a Skrillex, Reaper, Berserk, Beetle, Dominator. En fait, je vais mettre ma cam, je pense, au milieu. Comme ça, vous verrez les insultes des bots de merde qui me mènent la vie dure. Pourquoi? Ah voilà. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai apparu juste devant une arme, je suis très content. Ouais! Cette carte est assez moche. Oh putain, je vois que dalle. Bon, je vais me casser de cette salle, c'est de la merde. Oh, meurs! Oh, je me suis tué par derrière. Et ça, c'est les joies du FFA, c'est normal. Tiens. J'aurais pu se retourner quand même. Oh, meurs! Qu'est-ce qu'il est moche? Je l'ai vu aussi, non? Non, pas du tout. Oh, cette carte, qu'est-ce qu'elle est laide. Oh là là, qu'il est moche, lui! Il s'est placé accroupi! Oh, quelle mocheté! Tiens! Voilà! Tiens, toi derrière! Alors le lance-roquette est très lent. Oh putain! Est très lent dans ce jeu. On dirait pas, mais vraiment. Il est très très lent ce lance-roquette. Tiens. Voilà. You killed Reaper. Allez là, on avance! Oh meurs! Meurs! Voilà. Tiens! Voilà! Oh là là, je suis nul! Oh, j'arrive pas à me tuer. J'arrive pas. Si, c'est bon. Lance roquette. Donc je suis à 8, il faut arriver à 25. Je vous rappelle, là il me faut de la vie en fait. En fait c'est ça qu'il me faut. Ah bah de la vie on a là. Et oui, ces fameux FPS où on avait des objets à ramasser. C'est fini maintenant les FPS comme ça. Call of Duty, Shootmania, Quake. Enfin dans Quake je dis de la merde mais... Dans Shootmania on ne ramasse rien, dans les Call of Duty on ne ramasse rien, dans Counter-Strike on ne ramasse rien, on achète
Mais c'est fini les jeux où on devait ramasser des objets parce que les pros étaient trop forts. Ils timent les items, ils savent où ils apparaissent. Et on est arrivé un petit peu au bout de ce modèle, au bout de ce modèle de FPS. Pourquoi Halo le fait encore. Halo le fait encore, c'est vrai. Mais ça reste assez limité quand même, je trouve. Et puis Halo n'est pas une référence en matière de FPS. Enfin, je veux dire. Là, je vais me faire défoncer, mais ce que je veux vous dire, c'est que les FPS qui se vendent le plus dans le monde aujourd'hui ne sont pas les FPS où on ramasse des items. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Tiens. Même Counter-Strike n'est plus une référence en termes de FPS. Hein. Désolé de vous le dire, par exemple. Mais Counter-Strike, ça fait longtemps que c'est plus une référence de FPS. Counter-Strike Global Invasion, Global Offensive, pardon. Ça fait longtemps qu'il a perdu la guerre du FPS. Tu peux mourir, s'il te plaît. J'ai pas réussi à toucher une seule fois. Déçu. J'ai 11 kills. Battlefield 4, il y aura des armes à ramasser. Non, mais Ah oui, voilà, Battlefield, c'est ça que je cherchais. Donc Call of Duty, Battlefield, qui sont les deux FPS qui se vendent le plus aujourd'hui dans le monde, ont choisi de ne plus faire ce modèle-là. Alors après, c'est vrai que c'est sûrement... C'est quoi ça? On se téléporte? C'est sûrement aussi dans un souci de réalisme, hein, bien sûr. Mais bon. Oh, une cascade. Incroyable, vous avez vu la physique de ce jeu? C'est réaliste. Voilà, tu crèves, Berserk. Donc voilà, alors. Mais crève, saloperie de... Ah mon dieu. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que... Je me fais focus. Code BF réaliste, ouais. Battlefield 4, Battlefield 3, ça reste quand même très réaliste. Alors après, oui, on régénère pas dans la vraie vie quand on prend une balle et qu'on s'accroupit, je suis d'accord. Mais je parle en termes de physique, en termes de graphisme. On se rapproche quand même du très réaliste. Hein. Enfin, si on n'est pas un mec ultra pointilleux, quoi. Voilà. Oh, de toute façon, vous voyez très bien ce que je veux dire. Faites pas vos enculeurs de mouches. Oh, y'a un mec derrière moi ou quoi? Non, par contre, y'a un mec devant. Voilà. Non, mais moi, j'aimais bien ce Unreal. Bon, c'était un peu le bordel, mais le caractère design était pas mal. Les maps étaient sympas. Les armes étaient cool. C'était dur de faire des armes très différentes des FPS. C'était la guerre entre Quake et Unreal. Quake était développé donc par ID Software et Unreal par... je sais plus. Unreal par... Mais si, je le sais, putain. Non, j'arrive pas à m'en souvenir. Merde, je suis tiré dessus. Par qui? Alors, par qui? Alors pour moi c'est le meilleur des Unreal celui-là. Parce que c'est celui qui a bercé mon enfance. C'est celui sur lequel j'ai le plus de souvenirs. Bien évidemment. Yo killed by Berserk. Vous voyez, j'ai 18 frags et le deuxième en a 17, hein, faut que j'arrête. Je me bouge le cul. Epic Games, voilà c'est ça, Epic Games. Epic Games qui s'est mis à faire des jeux pour iPhone maintenant. Non, je plaisante, mais ils ont fait le fameux truc où on recommence 10 000 fois là où on a des générations avec le mec qui a l'épée là, je sais plus ce que c'est. Qui est leur jeu le plus connu sur, sur mobile. Bah c'était Epic, je crois que ça... Enfin non, je sais plus. Allez, you kill it, Dominator. 19 kills pour moi. Faut que je trouve des gens. C'est toujours la misère dans les FFA. Hein. Ok, cool. Voilà, il est mort. Double kill. Triple kill. Oh, quoi? C'est bon, je l'ai tué. Tiens. Killing spree. Voilà. Voilà, je suis le winner. J'ai fini. On voit pas les kills la ZTV Studio. Quoi? Infinity Blade, exactement. Infinity Blade, c'est le jeu dont je parlais sur, sur iPhone. Alors, bah c'est bon, c'est fini, non? Ah non. Oh putain, j'y crois pas. Il y a la dernière map. Bon, la dernière carte. Infinity Blade que sur iPhone ou Android aussi. Je sais plus. Bouge la cam, s'il te plaisira. Je sais pas trop où la mettre, en effet, la caméra. Non mais y'a rien là où je... Bon y'a juste pas écrit vous avez tué machin mais... Ok, je sais où je vais la mettre, là. Voilà, je la mets là. Elle est bien là non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez c'est parti, donc frag limite 20 et non pas 25 comme la game précédente.
Mais évidemment, normalement le jeu augmente en difficulté avec le temps, hein. Ça se voit, vous avez vu comme il a beaucoup plus de skills. Non, je déconne. Crève! Alors ça vous écrase quand vous êtes sous les ascenseurs. Je sais pas si on se déplace plus vite en sautant dans celui-là. Je me suis fait voler mon kill, c'est excessivement énervant. Voilà, double kill. Too much DPS, you cannot face me, sorry. Une carte assez grande. Pour 3. Non mais, si je suis aussi nul aussi, ça va pas le faire. 86 points de vie. Alors là, vous voyez par exemple, on a l'impression que j'ai pris la sauce. Alors qu'en fait, j'ai encore masse points de vie. Les bots vous suivent pas mal dans ces jeux, alors qu'on sait très bien que ce qui fait la force d'un fast FPS, c'est qu'en général, le poursuivant est très désavantagé par rapport au poursuivi. C'est le cas par exemple pour Quake 3. Où est cette bête? Plus de points de vie, le pauvre. Oh là là, le brino sauce. Je suis plus que 25 points de vie. Ah! Il m'a défoncé. Il devait avoir totalement masse points de vie. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream maintenant. Courage pour votre lundi. Vous avez vu, la ZTV s'arrête un peu plus tôt ce soir. Le programme de la semaine prochaine est chargé. On vous en parlera demain dès 13h. J'ai fait un double kill avant de crever. Cadaver. Alors dans la tête. Voilà. J'ai tenté hein, le mode no brain, complètement FK. Donc demain 13h, on parlera du programme de la semaine. Soyez là. Et merde, j'ai pas réussi à récupérer. Il y en avait un autre à gauche. On va essayer de tuer lui et de passer à l'autre. Voilà, lui. Ok. Le pire, c'est que ce Unreal, il y a toujours du monde en ligne. C'est vrai? Il doit y avoir des beaux malades mentaux. Enfin, des mecs, je veux dire, pas des malades mentaux. C'était positif dans ce cas, malades mentaux. Des mecs trop forts, quoi. Useless. Donc, les bots vous taunt à ce jeu. Moi j'ai jamais trop réagi au taunt des bots. Yeah yeah. Oh je l'ai eu. Ah oh, c'est pas moi qui l'ai eu. Ah non il est là. J'ai tué Xoleras. Ne vole pas mon kill. Voilà. Tiens. Voilà. T'en voulais encore. Voilà. Où ils sont en bas. Burn baby. Burn baby. Ah, ils sont chauds les bots, ils sont chauds du slip. Faut pas les embêter. Hein. Faut pas les embêter. On y va. You're the winner. Oh regardez, l'arme traverse mon personnage. Incroyable, c'est vraiment exceptionnel. Donc ils ont modélisé l'arme à part, ils l'ont pas refait. Oh regardez, les mains en l'air. Bon j'ai gagné. J'ai gagné. Malévolence, mais comment ça? Ah non mais attends, il y en a combien comme ça? Oh putain, c'est pas vrai. Ah, on peut partir en domination, c'est bien. Domination. Je ne sais pas ce que c'est domination, mais en tout cas... Zara fait des strafes pour te déplacer plus rapidement. Non, ça ne vous fait pas vous déplacer plus rapidement le straf, ça vous fait esquiver. C'est des esquives, c'est pas se déplacer. Alors, team score limite 100. Ok. On va faire la pub maintenant, la petite pause pour soutenir la ZTV, mesdames et messieurs. On se retrouve dans 2 minutes. Et comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Je vous dis à tout de suite. Et on part en domination juste après.